Donc, jeudi 11 janvier 2024, pas tout à fait plus tard, je crois. J'ai très bien dormi. Ce matin, j'ai même pas eu besoin de passer le feu pour avoir chaud. Il a fallu que je la fasse pareil parce que, bon, écoute, faire à manger tout, là, mais très bien isolé. Vraiment satisfait des services ici. Ça, c'est la femme de ma vie. Coucou, ma fille. Bon, franchement, là, il faisait tellement chaud ce matin au chalet que j'ai déjeuné en sous-vêtement. De toute façon, qui va se plaindre? Les écureuils? Les oiseaux? Ma fille? Pas en tout. Personne ne va se plaindre, voyons, je suis tout seul. Et je voulais vous montrer. Ça ne vaut pas bien, bien, là, mais. Ça, là, je vois ma toto 17, mais non, je ne la vois pas. Parce que. Ok, ça, c'est les brouettes, ça, c'est le stationnement. Mais, aïe, le petit monticule, là, bon, ben, la route est juste là, fait que. On est quand même assez pour l'intimité, par exemple, oui. Pardon, oui. Franchement, c'est mon chalet. La vue que je me lève le matin. La madame, quand elle m'a reçu, elle m'avait mentionné qu'il y avait des chevaux le matin ici, mais j'en ai pas vu. Fait que, en tout cas, c'est pour la fin du monde, mais bon. Mais je sais qu'il y en a en arrière ici sur les pistes, mais franchement, là, sincèrement, là, station de Chêne Rose, les amis, là, ça vaut vraiment le détour. Franchement, là, je sais que le monsieur m'avait mentionné que depuis 2019, qui est propriétaire ici, depuis 2019, ça a commencé. En tout cas, depuis ce temps-là, que c'est vraiment jeune ici. Fait que, quand même, un monsieur dans 50 ans, je crois, avancé, je crois comprendre que c'est peut-être sa pension ici. En tout cas, peu importe, moi, ça reste que. Il y a vraiment du potentiel ici. Franchement, là.